Donc la genèse de ce projet est une idée de la table ronde, des éditions de la table ronde, de revisiter certaines œuvres de l'histoire de l'art par le biais du corps et d'interroger les codes de la représentation en mettant en exergue cette phrase d'Oscar Wilde qui disait que la vie imitait l'art mais beaucoup plus que l'art n'imitait la vie. Et alors moi le décolleté, enfin, je me suis intéressée au décolleté parce que c'est quand même un des éléments du vêtement qui est le plus fascinant, le plus poétique, parce qu'en fait il a une double définition, il est à la fois l'échancrure du vêtement et aussi la partie découverte. Donc en fait il est vraiment, c'est vraiment une pièce du vêtement qui est à la frontière entre ce qui va être voilé et dévoilé. Et finalement, c'est bien plus fascinant que le nu lui-même. Je m'intéresse beaucoup à la mode et à l'histoire du costume. Et pendant des siècles et des siècles, finalement, le décolleté a été l'objet de fascination de la mode. C'est-à-dire qu'a été la façon dont on a construit la mode. C'est-à-dire que les femmes étaient extrêmement décolletées. La mode, les robes tenaient sur la pointe de leurs épaules. Et c'était finalement la seule partie du corps qu'on considérait comme digne d'admiration, puisqu'elles étaient donc corsetées, et ensuite il y avait un volume totalement recréé autour des hanches et qui leur couvrait absolument tout le bas du corps. Et donc cette beauté couturière, finalement, c'est ce qui a conduit à construire comme ça une beauté idéale autour d'un corps fantasmé, dont le décolleté est un élément clé. Les peintres, effectivement, ont été aussi fascinés. Et moi, je voulais chercher, effectivement, à savoir qu'est-ce qui peut fasciner aussi bien, qui a pu fasciner aussi bien les peintres que les couturiers et qui continue à fasciner les hommes aujourd'hui. Donc, c'est une histoire de regard d'abord, le décolleté. Donc, c'est pour ça que je commence par une photo des années 50 qui présente une actrice italienne se promenant dans les rues de Rome et qui est absolument dévorée du regard par les Italiens, par les hommes présents dans les rues. Parce qu'au fond, ce qui m'intéressait d'explorer, c'est cette espèce de trajectoire intime que le regard a entre ce nouveau cadre, parce que pour moi, le décolleté, c'est comme un cadre, dans le tableau. C'est-à-dire que c'est un espace intime resserré de la perception où, effectivement, il va y avoir un échange. Et j'avais envie de revoir certains tableaux connus et parfois d'autres moins connus sous cet angle-là, sachant aussi que une des choses que je m'étais dite en commençant ce livre, c'était d'essayer d'avertir le lecteur de se débarrasser d'un regard actuel qu'on a sur le décolleté qui est extrêmement marqué par tout ce qu'on voit, parce que maintenant, le décolleté, on en voit partout dans la presse, sur nos stars de Hollywood, sur les People, et aussi sur Internet. Donc il y a une espèce, le décolleté, finalement la mode a été un petit peu vampirisée par le monde de l'Internet et de la publicité. Et donc j'avais envie que les lecteurs retrouvent un petit peu un regard amoureux. Un peu comme quand Éluard dit à son amoureuse « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur ». C'est un petit peu ça, rechercher cette sensualité, comprendre comment est-ce qu'on va... Les peintres vont rendre ces chairs, bien entendu, mais pas seulement, parce que ce n'est pas seulement une histoire de modeler, le décolleté dans la peinture, ce n'est pas seulement une histoire de mode, de coupe de vêtements, de fidélité à une retranscription du costume, mais c'est aussi... Finalement, tantôt, ben, évidemment, l'âme de la féminité, mais aussi tantôt un symbole de pouvoir au cours des siècles, tantôt le symbole d'une certaine ingénuité, de l'ambiguïté, parfois de la vanité. Donc, finalement, les images sont sélectionnées en fonction de finalement toute cette exploration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le livre que de très beaux décolletés, de très belles robes, c'est pas aussi le sujet, c'est aussi... chercher à comprendre ce que le peintre a voulu signifier derrière cette histoire et ce que la mode a posé comme code au cours des siècles et qui ont été quand même très fluctuants et très variables.
Oui, aujourd'hui, il y a ces fameux décolletés extrêmement échancrés et très profonds qui descendent presque jusqu'au nombril, qui sont la dernière tendance des tapis rouges qui font le buzz dans la presse. Et c'est vrai qu'en regardant ce livre, on voit que, et en lisant les textes et les commentaires de l'époque, on voit que le décolletage a pu être aussi audacieux, si ce n'est plus, dans les siècles précédents.